Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctetou, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on se retrouve, oui, pour une fois, du Call of Duty Black Ops 2, et on se retrouve avec le meilleur joueur de Call of Duty Black Ops 2. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos, et surtout, surtout, n'hésitez pas à défoncer cette barre de like, rien que pour le gameplay. C'est un 100 Gunstrike en HP sur Plaza à la type 25. Un 100 Gunstrike. La dernière fois que je vous ai proposé un 100 Gunstrike, c'était le mien sur Call of Duty Black Ops 3 avec un 113 Gunstrike. Voilà, c'était un énorme gameplay, etc. Là, on se retrouve également pour un énorme gameplay de la part d'Apex Fragger, qui est, selon moi, le meilleur joueur en public. Oui, je dis bien en public, non, parce que si vous commencez à me sortir les trucs... Oh, y'a Kotaka, y'a tatata, d'accord, on parle de public, il y a une différence entre le public et la compétition, qu'on soit bien tous d'accord là-dessus. Donc, le meilleur joueur sur Call of Duty Black Ops 2, Apex Fragger, je pense que certaines personnes le connaissent, si vous le connaissez pas, d'un côté, on peut pas vraiment trop vous en vouloir, étant donné qu'il a été assez inactif, c'est-à-dire qu'après... on va dire avant BO3, il a été assez un peu actif et après totalement inactif, etc. Je vous mettrai bien évidemment sa chaîne dans la description. Il a des 100 Gunstrike, c'est un malade, c'est franchement t'es un grand malade Fragger au niveau des gameplay. On va dire que tu vois, genre c'est un des seuls, on peut dire que je pourrais comparer en fait mes 100 Gunstrike avec lui, tu vois. Genre par exemple mes 100 Gunstrike BO3, je pourrais les comparer sur BO2, mais moi sur BO2 je suis incapable de faire ce qu'il a fait, hein. Franchement je vous le dis tout de suite, moi BO2 je l'ai surkiffé, etc. J'étais peut-être une ou deux fois à avoir la possibilité de faire comment ça s'appelle, une triple nucléaire, mais pas à ce niveau là voilà. Franchement Fragger il a vraiment un excellent niveau sur Call of Duty Black Ops 2, et franchement il envoie du lourd au niveau du gameplay. Est-ce que vous voyez, voilà, il est rush, il les attaque, etc., etc. Bon, vous allez me dire, ouais, mais la Outed, tu sais que quand tu fais un 100 Gunstrike, les trois quarts du temps, tu affrontes des noobs, etc., des personnes qui savent pas jouer. D'accord, je suis totalement d'accord avec vous, autant que ce soit pour vous ou pour moi, mais on va dire que Fragger, en dehors, on va dire, des gameplays, c'est quelqu'un qui sait très, très, très bien jouer, qui a du niveau, etc. C'est pas genre, tu vois, les personnes, on va dire, les pseudo-performeurs de nos jours. Les pseudo-performeurs de nos jours, tu vois, c'est les mecs qui arrivent et ils disent « Ah, j'ai claqué une triple, etc. » Et qui disent « Ouais, donc on fait partie de l'élite de la performance, etc. » Lorsqu'en soi, non, tu vois, genre, il y a peut-être d'autres personnes qui sont larges, beaucoup plus intéressantes. Je pense à Punky, à Zyrox, etc. Ou moi, même si t'as envie de me mettre dedans, tu fais ce que t'as envie. C'est les goûts et les couleurs. Enfin, bref, là-dessus... Et c'est pour ça, hein, franchement, Fragger là-dessus, il gère au niveau des gros gameplays. Vous pouvez aller voir tout ça sur sa chaîne parce que c'est un des seuls, en fait, que j'ai toujours encore du plaisir à regarder des gameplays BO2, etc. C'est pour ça que quand je me suis dit, tiens, je vais faire la réaction du meilleur joueur, étant donné que Trax, il avait fait sur Call of Duty Black Ops 3, je me suis dit, mais c'est cool parce que, tu vois, au moins, les gens connaissent déjà Zyrox de base. Mais à la base, Fragger, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît parce que c'était au début de la Apex, etc., etc. Et je trouvais ça un peu dommage que ce genre de personne, voilà, qui aurait peut-être mérité d'avoir un peu plus de, on va dire, de popularité. Même si j'aime pas utiliser ce terme-là, je suis vraiment désolé, mais je vais l'utiliser comme ça, on va dire, voilà, de pseudo-popularité. Voilà, on va dire ça comme ça, un peu plus de reconnaissance. Voilà, on y est, un peu plus de reconnaissance pour ses gameplays parce que c'est vraiment un très, très, très bon joueur. Et c'est même dommage qu'il ait pas continué sur Call of Duty Black Ops 3, etc. Parce que c'est vrai que ça aurait été intéressant. Franchement, ça aurait été intéressant de voir Fragger, peut-être après qu'il n'était pas intéressé. Je crois qu'il n'est pas vraiment intéressé. Il va reprendre lors du prochain Call of Duty, donc si vraiment t'as envie de t'abonner à sa chaîne, n'hésite pas mon pote, parce que franchement niveau gameplay vous allez être servi. C'est un monstre, il faut le dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit, n'hésite pas à défoncer cette barre de likes si on pourra atteindre plus de 1000 likes. Cela me fera extrêmement plaisir. Je vous laisse avec la fin de ce gameplay qui en vaut la peine de regarder, d'être vu jusqu'à la fin. C'était Loctetou, peace out. Yeah.
plus nerveux, type 26, il n'y a pas de trop de qualité, c'est le bon moment.